que serait ta nuque se tard quand elle a trop de points de mire et que son monde vire à l'envers. Inquiète-toi pas, ils lui disent, inquiète-toi pas pour ça, en souhaitant que Martine s'épuise et qu'elle perde sa voix. Sa pancarte dans la rue pour la planète qui stocke sur Boyle et pour les enfants qui travaillent à nous fournir nos petits toys. Inquiète-toi pas qu'ils lui disent, inquiète-toi pas pour ça. Mais quand elle se garde dans le miroir, y a des fois qu'elle se pointe du doigt. Fais-toi en pas, ils disent, c'est juste ce qui est ça. Et ses mots viennent comme une brise et elle s'allonge sur le sofa. Arrête-toi pas, Martine, veux-tu garder une miette d'espoir? Je lui dis au moins pour tes enfants qu'un jour tu vas peut-être avoir. Ah, je ne sais pas, elle me dit, je ne sais plus trop quoi croire. J'ai l'impression que je perds mon temps et elle retourne à ses affaires. Ah, comment ça? Je lui demande pourquoi cacher ta colère et elle s'arrête un instant pour se checker dans le miroir. Tannée de faire dire que serait peut-être mieux que se taire, malgré tous ses points de mire et que le monde vire à l'envers. Inquiète-toi pas, ils lui disent, inquiète-toi pas pour ça, en souhaitant que Martine s'épuise et qu'elle perde sa voix. Faites-vous en pas, ils nous disent, faites-vous en pas pour ça. Et ses mots viennent comme une brise, Martine se relève de son sofa.